Bon chien, ouais! Ouais! Ah oh, ben une autre bécasse! Hey! C'est le fun ça! Hey! Ça fait 7 bécasses. Non. Fini, attends. C'est pas fait. Ouais. Wow. En une heure, quand même, sur le terrain, il y avait 11 bécasses différentes, 2 doublées. Wow. Ma femelle est tombée dans, on peut dire, un poulailler. Ce que j'ai aimé de la chienne, justement, ce qu'elle fait d'habitude, beaucoup de. Son travail, beaucoup de prudence. Il y a quand même eu pas mal d'émotions pour. Les 60 minutes, je me suis promené sur le terrain. Ben, aucune photo, évidemment, de bécasse en vol réussi. Mais ça, c'est une approche que j'ai pas encore. Pour ce qui est deux perrons, je revois encore la travailler. Elle savait pas où mettre la tête parce que quand même, il y a de l'odeur dans les environs. Fait que, mais peu importe, juste la voir travailler quand même, c'était intéressant. Le spectacle visuel a été riche en émotions. Parce que tout récemment, c'est-à-dire le 6 mai dernier, j'ai fait endormir Kim pour la dernière fois. Et elle avait quand même des problèmes de santé. C'est ce qui m'a obligé à faire l'euthanasie. Elle va me manquer. Kim est trouvée enterrée sur mon terrain. Donc, elle est toujours quand même avec nous autres. C'est quand même toujours pénible de faire endormir un chien, mais ça fait partie de la vie. J'ai quand même fait environ 13 ou 14 saisons de chasse avec elle et j'ai d'excellents souvenirs. Donc maintenant, c'est Kim, une drogue du mal des grippes, qui prend la relève. Aujourd'hui, je suis à Belle. La température est vraiment, vraiment couverte. Le terrain ne semble pas avoir changé comme d'habitude. Par contre, les feuilles sont normales, elles sont en place, ce qui va ajouter quand même un défi au tir, ce qui n'est pas méchant nécessairement. Et Kim et moi, on a sûrement hâte de... Je ne peux pas parler pour elle, mais moi, de toute façon, j'ai hâte de rencontrer notre première bécasse. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de particulier avec moi. J'ai un téléphone cellulaire parce que on ne sait jamais quand on a besoin d'entrer en communication avec quelqu'un pour X raisons. Je viens de voir deux bécasses au pied ultra léger, vraiment là, très 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 farouche. Premier arrêt, j'ai manqué beaucoup trop proche. Très beau travail du chien. Kim vient de faire un arrêt sur Perdrix. Très bien. Mais encore là, l'oiseau n'était pas facile à faire quoi que ce soit avec. En théorie, il y a trois bécasses. Deux au pied léger. Et une que j'ai manqué. Je pense pas que ce soit la même bécasse du début. Bon travail de Kim. Première bécasse récoltée. 7h08. Là, je suis un peu moins nerveux. La chienne, elle a fait un arrêt en lisière d'un chemin. Je me suis avancé près de Kim. Elle a avancé à nouveau, à bloquer. Je me suis avancé, l'oiseau est parti. Un coup de feu a tombé. Papa! C'est une femelle adulte. Un poids normal. Un autre femelle à l'arrêt de la chienne. Bon, deux autres arrêts de la chienne. J'en ai fait une. Une femelle qui avait la mandibule sur le. La mandibule. Avec de la terre sur la mandibule.
et à peine quelques distances d'où l'oiseau a été récolté, Kim prend l'arrêt sur un autre bécasse, j'ai manqué. Ça fait une demi-heure pile que je suis ici, et puis il y a au moins 7 bécasses différentes. Au vol tel quel, il faut que le chien soit arrêté, il faut tirer. Et ça, il y en a au moins, j'en ai récolté 3. Et puis les autres font qu'à peu près, je présume 7. C'est vraiment bon, pas en plainte. Un autre arrêt, une autre bécasse, c'est une femelle adulte. Ça ne revient pas comment il y a des oiseaux aujourd'hui. C'est vraiment choyé. Très intéressant. La chaîne quand même travaille vraiment à mon goût. Très bonne coopération. Excellent arrêt de la chienne. J'ai été la servir. Premier coup de feu, l'oiseau a tombé comme une feuille morte. Je me dirige pour aller chercher avec le chien, mais le chien était plus à ma droite. Moi, j'étais plus à gauche. Une bécasse d'école, c'est quasiment impossible. J'ai vu tomber. Effectivement, il y en a une deuxième à côté, d'où celle qui a tombé. Je vais aller la chercher. Mais vraiment, je tombe dans le paradis, un poulailler à bécasse, c'est inimaginable. Ça fait une récolte de 5 bécasses. Une autre bécasse, une autre femelle. Très bon travail de la chienne, j'ai pas un mot à dire. 51 minutes à ce jour, ben aujourd'hui. Et puis j'ai fait 5 bécasses sur une possibilité de 9. Et 5 bécasses, j'en ai assez pour mon ouverture. La limite, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai aimé, c'est le travail du chien qui était vraiment coopératif, très intéressant. Les oiseaux ont été récoltés uniquement à l'arrêt du chien. Et ça me vaut automatiquement, dans ma tête à moi, un aimé de bécasses. Sans vraiment l'avoir accompli par le nombre d'oiseaux. C'est toujours couvert. Il y a une légère bruine qui tombe sur moi. Je retourne en voiture. Il est à 7h48. Je me retourne en voiture. C'est vraiment particulier. Je suis quand même très content de l'ouverture, mais vous voyez, au début, mon cœur pompait un petit peu trop passablement. C'est un peu normal à tous. Chaque couverture, c'est comme ça. Une fois que la glace est brisée, ça va vraiment bien. La bécasse que Kim a bloquée, j'ai retrouvé. Elle m'est partie d'un bottine. J'ai pas tiré. La tension était là. Étant donné que c'est moi qui l'ai fait lever Nozuki, qui l'a arrêté, ben, j'essaie de la retrouver à nouveau. Impossible. Enfin, je suis rendu dans le cimetière. Vu qu'il a bloqué une bécasse, mais le tir était vraiment pas facile. D'ailleurs, on sait déjà c'est quoi l'incendier. On va faire le remis. Je suis content quand même d'avoir vu une d'incendier. Zogi a bloqué la même bécasse, mais j'ai tiré au jugé, mais pas vraiment bien placé. Un excellent, excellent travail de Zogi. C'est une bécasse plus que sorcière. J'étais servi à la bécasse, une partie d'un bottine. Impossible de tirer. Mes réflexes étaient vite, bon. Mais il n'y avait rien à faire avec l'oiseau. Bon, on dit, ça me fait chier. La chaîne, vraiment, elle a recherché autant comme autant la bécasse que j'ai plombée. Il était dedans. Et puis elle ne trouvait pas moi non plus. C'est pas normal. À un moment donné, je regarde, ben, à peu près à hauteur d'homme. La bécasse était dans un petit nid de. Un nid, faut c'est dans les branches d'un cenellier. Je l'ai fusionné. Ensuite, j'ai brassé un peu l'arbre. L'oiseau a tombé. J'ai rappelé la chienne. Elle s'est avancée à le figer. Brisé l'arrêt. Il m'a rapporté l'oiseau. C'est une femelle juvénile. C'est vraiment pas facile aujourd'hui, les cenelliers. Les bécasses ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Mais quand même, ça me rappelle d'énormes beaux souvenirs avec Bernard quand on venait ici. Un autre arrêt de la chaîne, impossible de tirer. Impossible, impossible. Voilà, avec quatre encore relevé, excellent arrêt, manquer ça, c'est pas possible. Vraiment facile. Merci.
Arrêt sur perdrix, l'oiseau a décollé en rosemoc. Le chien était à côté. J'ai pas pris de chance. Mais c'était beau à voir. Il y avait deux géinotes ici. Là, j'essaie toujours de retrouver ma bécasse. Je pensais que c'était ça, mais j'ai une note à la place. Côté positif, arrêt. Enfin, je l'ai eu, c'était pas facile. Faut que je m'attende à ça, je dis, faut que m'attendre d'un snellier, c'est pas facile. Ce qui est bizarre, c'est que Zuki m'a rapporté la bécasse, mais elle avait une feuille de plantée dans son bec. Fait que, tu sais, prendre une photo rendue à la maison de cette bécasse. C'est pas une anomalie en tant que telle, mais c'est assez rare que, je pense que c'est ma troisième fois ou quatrième fois depuis que je chasse la bécasse, que j'ai réussi à avoir un oiseau qui, en tombant, se plante la mandibule dans une feuille. Bon, ben, j'ai terminé.